Rio, il m'a demandé si je voulais travailler, faire une bande dessinée pour les éditions Ouest France, avec une contrainte, une seule, c'est génial, une seule contrainte, que ça parlât de Bretagne d'une façon ou d'une autre. Ça part des peintres comme Lucien Simon, Méheux, tout ça, et puis des peintres précédents, Sérusier, tout ça, évidemment, enfin, remontant jusqu'à Gauguin, finalement, de toute cette école de peinture qui ont peint la Bretagne, quoi. Donc voilà, enfin, le lien était tout tracé, en fait. La peinture de Gauguin, Courbet, tout ça, ça allait très très bien pour raconter une histoire, un roman, d'associer tous ces personnages et ces tableaux, quoi. Enfin, un amoureux de peinture. J'ai d'ailleurs fait mes études pour ça. C'est lié au dessin, c'est l'amour du cinéma, du dessin animé, tout ça. Enfin, c'est le monde de l'enfance que j'ai prolongé dans mon temps d'adulte. Et pour ce qui est de la bande dessinée, c'est le goût, enfin, l'envie de raconter mes propres histoires avec mes propres dessins. Alors après, enfin, pour ce qui est des thèmes, moi, enfin, je raconte ce qui m'intéresse finalement. L'histoire de la peinture au travers de Paul Gauguin, enfin une partie de la peinture au travers de Paul Gauguin. Voilà, enfin, c'est tout ce qui me passionne. Je prends la bande dessinée comme, enfin, pour ce qu'elle est. C'est un support, c'est un art en soi. Et si j'osais une comparaison entre deux arts, je comparais la bande dessinée à la nouvelle en fait. Il y a un tableau qui s'appelle Le Moulin David. Et où il y a une espèce de chien orange, marron, orange. Et puis, je cherche un titre de tableau qui puisse évoquer cette époque-là. Il y a toujours des titres un petit peu curieux, des titres un petit peu étranges, des titres de tableau à cette époque-là. Je voulais vraiment que ça ressemble, enfin, que ce soit un titre de tableau. Et tout. Donc, alors, je me lance, paysage au chien rouge et tout. J'étais absolument ravi d'avoir inventé un tableau et un titre, du coup, qui était totalement original. Et puis, le livre était presque en imprimerie. Et j'ai découvert qu'effectivement, il y avait un tableau de Gauguin, alors qui s'appelle Le Manguier. C'est le premier titre, mais le sous-titre est Paysage au chien rouge. C'est vraiment une coïncidence absolument incroyable. Vraiment, c'était vraiment pas voulu.